Bonjour, moi c'est Arson Bonhomme. Je vais encore nous parler étudier ensemble leçon 3 qui vient pour titre Toutes les générations et nous parlons étudier particulièrement partie dimanche là qui vient pour titre Le principe du péché. Dans partie dimanche là, nous avons un verset de base qui c'est Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 6, pardon, verset 5 qui se lit comme suit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Bien que après la création, bon Dieu t'ait sanctionné l'œuvre que t'ai fini faire à part une phrase qui terminait comme ça, c'était très bon. Genèse chapitre 1 verset 31. Donc tout bagage n'était bon. Mais d'un coup, gain péché qui vient entrer, lui changer l'ordre des choses et lui rentrer avec toutes conséquences que lui traîner d'elle, tout problème, tout genre de calamité, maladie, soucis, inquiétude, donc tout bagage ça en est entré immédiatement avec le péché, ça pourrait changer l'ordre de la création. À l'époque de Noé, le mal, le péché tellement ravagé le monde, l'arrivée d'un niveau qui était vraiment extrême, mais de manière devenue intolérable aux yeux de Dieu. Bien que la Bible n'a pas trop de détails sur comment ça a été, mais nous sommes capables d'imaginer que transgression et rébellion, ça était de toute évidence intolérable pour un Dieu d'amour, un Dieu qui est plein de patience et de pardon. Donc, si un bon Dieu qui gagne autant de patience, autant de bonté, il vient un moment que il n'est pas qu'à tolérer ce genre de situation, ça fait nous sentir que ça a été vraiment, vraiment grave aux yeux de Dieu pour qu'il ait pris une mesure qui était exceptionnelle pour mettre fin à ce genre de situation. Ça. Question que nous avons posée, pour qui ça? Comment est-ce que situation les vient dégénérer, on a un niveau qui est aussi extrême? Comment que ça fait arriver? Parce que bon Dieu finit créer tout bagaille parfait, d'un coup, péché vient entrer et cruauté, violence, survivre à un niveau qui est extrême. Donc, réponse à la question, ça n'est pas aussi difficile si nous regardons autour de nous. Comment bagaille va dégénérer tout autour de nous. Donc, un peu de problème, un peu de difficulté, un peu d'actes de cruauté à passer chaque jour à travers le monde. Il n'est pas prêt à prendre notre temps pour que nous jouions un élément de réponse à ça. Et si nous parlons bibliquement, nous cap si nous t'a référé nous, à Genèse chapitre 3, verset 6, il dit que la femme, en parlant d'Ève, il voit que fuyant Ablan, il était bon à manger et il vient manger, et ça permet que le péché a entré dans le monde. Pas bien que si nous sommes capables de référer nous au principe juridique que l'avocat a toujours utilisé, surtout les pénalistes, nous l'on crime, nous la pouvons s'inéléguer. Il n'y a pas de peine en dehors de loi. Donc, bon Dieu, avant que l'été sanctionné Ève avec Adam, au péché qui a été fait, l'été fait une défense. L'été mandé pour ne pas manger, fuit ça, et le jour qu'il a mangé, il a mouru. Donc, c'est ça qui vient entraîner, parce que son désobéissance à la loi de Dieu. Bon Dieu, te bail loi, te bail des principes avant que nous t'arrivions dans ce genre de situation, ça. Donc, c'est pas un bagage qui prend l'homme par surprise. Donc, son bagage que l'homme connaît, que une fois que tu as violé le commandement, tu as pas gagné des conséquences, et conséquences, il n'y a pas longtemps pour que tu te suives. Et noter ouais, tous les dégâts que ça a causé. Et Genèse chapitre 6, verset 15, il parlait non de comment Caïn tuait Abel, donc son bagage qui était extrême, qui revenait après la désobéissance. Et nous voyons que la terre tournant, Genèse chapitre 6, verset 11, donc il a plein de violence, il pas de pile violence qui a fait sous la terre, un pile acte de violence. Donc, ça, c'est des bagailles qui graves, qui est arrivé malheureusement après la création. Et tout ça, tout ça, il continue jusqu'à aujourd'hui, il a pérennisé. Un pile mon écrit autour de l'origine du péché, il y a un auteur qui écrit un livre, qui est une étude dogmatique autour du péché. Donc,
Il va parler en pile de péché, il va parler de origine du péché, parce que au péché, ce n'est pas un bagage qui est créé, parce que tout au long de la Bible, pas un texte biblique qui supportait l'idée selon laquelle bon Dieu était créé le mal, bon Dieu était créé le péché, pas grand aucun ça. Donc, tout bagage que bon Dieu était créé, il était créé bon. Ça montrait nous que péché pas gagné une existence positive parce qu'il n'est pas créé. Mais pas que si nous entrons, tu as essayé de chercher à comprendre le péché, donc on voit que le péché apparaît tant qu'une énigme du sphinx. C'est un mystère, son bagage, quel que soit j'en venais, l'apprend et lui rentre en côté, il fait un peu de dégâts. Et le péché n'est pas tant qu'un parasite, il vit au dépend de moi-même à quoi. Il vit au dépend du comportement que nous gagnons vis-à-vis de la loi de Dieu. À chaque fois que nous, en désaccord à bon Dieu, nous vivons comme vie par nous, nous vivons vie de péché, à ce moment, nous nourrissons les jeunes éléments pour que les continuent d'exister. Si nous prenons du feu, tout autant que nous avons matière pour que les consommer, du feu a continué. Si nous même en péché, tout autant que les jeunes matières, les jeunes monde cap, et Satan, jeune monde qui a fait œuvre, donc, il continue à prolonger la société, il continue à prolonger l'humanité, il continue à causer autant de problèmes. La solution à ce mal endémique, c'est soumettre nous à l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Et bientôt, une réponse qui pour bail. Parce que un Dieu d'amour n'a pas toléré que petit y a souffri. Une façon que bon Dieu voulait mettre fin à problème ça. Bon façon, bientôt, bon Dieu va mettre fin à genre de situation ça. Est-ce que nous pas aimé ça? Moi-même, personnellement, nous aimé que bon Dieu vienne pour que les réglementer situation ça une fois pour toutes, pas gagner maladie encore, pas gagner tourment, pas gagner souffrance, pas gagner tout cas privé autour de ce monde, pas gagner kidnapping encore, pas gagner souci, pas gagner mon cap crié encore. Donc, son bagage qui t'a vraiment bon. Pour que bon Dieu vienne et régler la situation, ça une fois pour toutes. Donc, bientôt, solution à venir. Mais entre-temps, nous devons soumettre nous à l'autorité de Jésus-Christ, nous devons rester à l'étude de la Bible pour que nous étudions ensemble la Bible, pour nous chercher à comprendre qui c'est la volonté de Dieu et nous gagner volonté, nous voulons suivre. L'Éternel l'a aidé pour que nous obéissions au commandement et n'importe où Jésus venu pour que nous fassions partie des élus, pour que nous fassions partie des martyrs de la foi chrétienne, des gens qui pourraient rencontrer Jésus et pour que nous allions vivre avec lui. Donc, c'est une belle espérance que nous-mêmes avec nous avons gagné. Donc, nous avons invité nous à camper aujourd'hui avec partie et dimanche, là, qui a pour titre Le principe du péché et verset de mémoire là, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc Genèse chapitre 6, verset 5. Donc que Dieu vous bénisse. À bientôt.